du ministre de l'Énergie concernant les gaz, à sa question concernant les gaz à effet de serre. Nous allons donc en débattre ce soir à 18 heures. Merci, la députée, pour une déclaration. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vraiment reconnaître le travail exceptionnel d'une brasserie artisanale locale, la brasserie Bell, qui est située dans ma circonscription, sur un terrain de 111 acres. Il s'agit donc de la brasserie traditionnelle Cowbell Brewery. Donc c'est vraiment une brasserie modèle de par ses activités qui sont vraiment régies par des concepts et des règles environnementales très strictes. Et donc je pense vraiment que si vous vous rendez dans cette région, il faudrait vraiment que vous leur rendiez visite. Il s'agit de l'intersection de l'autoroute 4 et de la route de campagne 25. Donc, s'il vous plaît, allez leur rendre visite. C'est vraiment une brasserie exemplaire du point de vue environnemental. Sa consommation d'eau, par exemple, est vraiment très, très basse. Et c'est quelque chose de très important à souligner. Et j'espère que hier soir, tous ici ont eu l'occasion de goûter la bière que produit cette brasserie. Merci beaucoup. Et il y a une nouvelle bière qui est prévue d'ici le 1er août. Merci, la députée de Hamilton Mountain, pour une déclaration. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de me lever pour marquer la journée ontarienne de la trisomie 21. J'aimerais tout d'abord remercier tous mes commettants de Hamilton qui s'engagent pour les personnes atteintes de cette maladie et qui ont organisé des célébrations au niveau local. C'est vraiment une journée tout à fait spéciale pour ma circonscription parce que l'idée de la journée ontarienne de la trisomie 21 est en fait née dans ma circonscription. Et deux commettants de ma circonscription se sont illustrés par leur travail pour justement mettre en place et créer une telle journée. Donc je suis vraiment très heureuse d'encourager l'inclusion des personnes atteintes de trisomie 21. Je suis heureuse de pouvoir contribuer à faire tomber les obstacles qui existent encore entre ces personnes et la société en général. Et ce sont des gens qui se battent tous les jours pour se faire reconnaître en tant que membre à part entière de la société. Et comme on dit, il faut se concentrer sur les aptitudes et non sur le handicap. Et donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose et j'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler avec cette association à l'avenir. Merci beaucoup. Le député de Mississauga-Irondale pour une déclaration. Merci. La communauté musulmane de Mississauga a organisé sa 7e journée annuelle de la famille. Et c'est vraiment quelque chose qui a été un événement très important et très positif pour toute notre communauté et notre collectivité à Mississauga. Et il y a donc une marche qui a également été organisée pour lever des fonds, pour soutenir de bonnes causes. Et donc j'aimerais vous dire que la communauté musulmane de Mississauga a été parmi les premières à reconnaître l'importance de ces marches le jour de la fête de la famille. Ce jour de la famille est très important, bien entendu, mais c'est vraiment la communauté musulmane qui a la première souligné l'importance de ce jour de la famille. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument remarquable. On a réussi à lever des fonds très importants qui sont allés en partie à financer l'agrandissement du service des urgences de l'hôpital local. Donc c'est vraiment très important de remercier ces personnes pour leur engagement à renforcer notre communauté et notre collectivité. Merci beaucoup.
Le député de Elgin Middlesex London pour une déclaration. Merci, je suis heureux de pouvoir parler du mois national de sensibilisation au cancer colorectal, qui est donc le mois de mars, et c'est vraiment un cancer qui est malheureusement très répandu. Et il y a donc des polypes qui se forment dans le côlon ou dans le rectum, et cela peut donner lieu donc à des tumeurs bénignes, que sont ces polypes. Et malheureusement, c'est une chose qui peut s'étendre et se propager aux poumons et au foie, par exemple, et à d'autres organes importants. Donc c'est vraiment un cancer pour lequel il est très important d'avoir des mesures de détection précoce. Il faut absolument procéder à un dépistage de cette maladie. Et donc, la manière la plus efficace de détecter ce cancer, c'est un test ou une analyse fécale, une analyse du sang dans les selles. Et donc, les patients entre 50 et 74 ans qui ont un risque plus élevé devraient se faire tester tous les deux ans. Et il faut également, si jamais il y a des résultats un peu suspects, procéder à une colonoscopie. Et j'encourage tous les survivants, les patients et les soignants des patients touchés par cette maladie à vraiment s'engager au cours de ce mois de sensibilisation. Merci beaucoup. On peut traiter ce cancer, c'est possible. La députée de London Fanshawe pour une déclaration. Merci. Je me lève aujourd'hui pour parler d'un problème très important qui règne dans ma circonscription, le problème des soins de longue durée. En tant que porte-parole de mon parti en matière d'affaires des personnes âgées et de soins de longue durée, j'ai organisé une réunion, une séance de discussion ouverte dans ma circonscription à laquelle se sont rendus de nombreux intervenants et parties prenantes du secteur. Et malheureusement, toutes les personnes présentes ont confirmé le fait qu'il n'y a pas suffisamment de soins de longue durée disponibles pour les personnes âgées de notre province. Et bien entendu, toutes ces parties prenantes ont dit qu'il fallait absolument faire augmenter les heures de soins prodiguées à ces personnes âgées. Et malheureusement, certaines familles tombent dans la pauvreté parce qu'elles doivent prendre soin d'un proche âgé. Et malheureusement, de nombreux foyers de soins de longue durée sont sous-financés. Et malheureusement, ces compressions continuent et il faut qu'elles s'arrêtent parce que nos personnes âgées méritent de meilleurs soins. Merci. La députée de Kitchener Centre pour une déclaration. Merci. Le mois de mars est le mois de la popote roulante dans ma circonscription et dans la région de Waterloo en particulier. Et bien entendu, ce sont des services qui permettent aux personnes âgées et aux personnes malades et vulnérables d'obtenir des repas à domicile. Et donc, ce service de ma circonscription dont je parlais dessert à peu près 300 personnes par jour. Et je me suis joint aux personnes qui emballaient ces repas, qui consistaient ce jour-là en spaghettis sauce tomate et de salade de fruits. Donc, c'était vraiment tout à fait délicieux. Je me suis également assise aux côtés du chauffeur qui livrait ses repas à ces personnes. Et c'est vraiment un service formidable qui livre des repas à des personnes âgées de la région de Waterloo, de Kitchener, de Cambridge, etc. Donc c'est vraiment très important de souligner leur travail. Et pour ceux qui souhaitent faire du bénévolat, vraiment, je vous encourage à prendre part aux activités de cette popote roulante. C'est vraiment quelque chose qui va grandement aider les personnes âgées, les personnes vulnérables de votre quartier et de votre collectivité. Donc, si vous avez le temps, ce mois-ci ou plus tard, je vous encourage à contacter cet organisme et à faire du bénévolat dans ce domaine. Merci, le député de Simcoe Gray. Je suis ici pour soutenir les producteurs de pommes de l'Ontario.
C'est un secteur qui vraiment génère des activités économiques impressionnantes, 634 millions de dollars par an. Et c'est un secteur qui vraiment apporte une contribution très importante à notre PIB à hauteur de 351,6 millions par an. Et c'est un secteur créateur d'emplois. Et il y a vraiment de nombreux emplois directs et dérivés donc, qui en découlent. Et il y a de nombreux revenus fiscaux produits par cette industrie à hauteur de 106,7 milliards de dollars par an. Et il y a vraiment une quantité impressionnante de pommes qui est produite dans notre province. Et en fait, une étude a révélé qu'il y avait pour 10 millions investis dans ce secteur, 24,2 millions d'activités économiques générées par ce secteur. Donc je suis très fière du travail des producteurs de pommes de notre province et j'aimerais demander au gouvernement de lire l'étude consacrée au travail de ces producteurs de pommes et de prendre des mesures en conséquence pour les soutenir. J'aimerais également remercier mon ami Brian Gilroy, qui est le président de leur association, de m'avoir fourni ces données que je viens de vous énoncer. Merci à la députée de Mississauga Street. Merci beaucoup. J'aimerais parler d'un programme très important pour les femmes et les filles de ma circonscription. Il s'agit de leadership et j'ai présenté un certificat à nombre de ces jeunes filles pour reconnaître leurs services bénévoles et communautaires hors pair. Donc, j'aimerais vous citer les noms des lauréats de cette année. Jessica Hull, Brooklyn Hover et Robin Edemocrato. Donc, je pense vraiment que ce sont des citoyens absolument exceptionnels qui aident grandement nos collectivités au quotidien et c'est très important de leur décerner des prix. Et dans ma circonscription de Mississauga Brampton South, il est très important de reconnaître la contribution de ces citoyens qui nous inspirent tous par leur exemple. Et j'aimerais vraiment remercier grandement ces jeunes filles et ces femmes absolument exemplaires. Merci beaucoup. Suite des déclarations, la députée de Simcoe North. Merci beaucoup. De York Simcoe, pardon. Merci. Je me lève ici pour vous informer du décès de Paul Nichols, qui est était un très bon ami à moi et un conseiller municipal très important dans la ville de Georgina. Il est mort malheureusement le mois dernier pendant ses vacances. Et je me souviens que lorsqu'il prenait part à des élections quelconques, qu'il s'agisse du palier municipal, provincial ou fédéral, c'était toujours lui qui jouait un rôle de leader. Et bien entendu, c'était toujours lui l'animateur, le modérateur. Et c'était quelqu'un qui vraiment était très prudent dans son rôle. Et il essayait toujours de prendre en compte les différentes opinions dans la salle. Et donc c'était quelqu'un qui faisait partie du conseil d'administration de la bibliothèque locale et d'un organisme de soins local. Et bien entendu, c'était toujours un plaisir de discuter avec lui de questions concernant la ville de Georgina. Et bien entendu, je le remercie de sa contribution et je me souviendrai toujours de son esprit de bénévolat. Merci.